Bonjour à tous et bienvenue dans Learn French with Vincent. And we'll see in this video les expressions, but then more precisely only one French expression. And this expression is se faire accepter. Se faire accepter. Se faire accepter. Okay, so you can see here the translation in English. Se faire accepter. And let's see one example. Un exemple. Je voudrais me faire accepter. Par mes collègues de travail. Je voudrais me faire accepter par mes collègues de travail. So let's see now how you can conjugate that at the present form. Because as you can see, we've got this se faire accepter form. So it does mean that you will have to modify this se when you conjugate it. So first at the first person, so when you get je, then you will have to modify it and put me. okay, je me fait accepter. je me fais accepter. then for the second person, tu, tu te fait accepter. then for il, third person of the masculine, il se fait accepter. and then the feminine, elle se fait accepter. Okay, so keep in mind, je me, and then you conjugate your verb, tu te, then il se, elle se. Okay, so let's see now for the plural forms. So it will go like nous, nous faisons accepter, vous, vous faites accepter, il Se font accepter. Okay, so this is the plural form, but then the masculine, and then the feminine. Elles se font accepter. Okay, so remember nous, nous, then the verb vous, vous, il se, elle se. So let's see now if we conjugate this expression at different tenses, and the first one would be le futur simple, so it would go like. je me ferai accepter then for the conditionnel présent it would go like je me ferai accepter phonetically it is exactly the same but keep in mind that you've got to write this s here when you put the conditionnel présent for the futur proche je vais me faire accepter and then le subjonctif présent que je me fasse accepter Ok So, futur simple, je me ferai accepter. Conditionnel présent, je me ferai accepter. Futur proche, je vais me faire accepter. And then, subjonctif présent, que je me fasse accepter. Ok So, let's see four more tenses of the past. Passé composé, je me suis fait accepter. Imparfait, je me faisais accepter. Passé récent, je viens de me faire accepter. And then, plus que parfait, je m'étais fait accepter. OK, so one more time. Passé composé, je me suis fait accepter. Imparfait, je me faisais accepter. Passé récent, je viens de me faire accepter. Plus que parfait, je m'étais fait accepter. Au revoir et à bientôt!